Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Après plusieurs semaines sans vidéo, je fais une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de NFT, en particulier les NFT de PancakeSwap, qui s'appellent PancakeSquad, qui ont été mis en vente hier. Hier, c'était le jeudi 7 octobre 2021. Et on va étudier les différents aspects qui font qu'une collection peut être intéressante pour spéculer ou bien pour la conserver à long terme. Petit détail technique, il y a eu un problème lors de l'enregistrement de la vidéo. Du coup, la voix des intervenants était très faible. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de l'augmenter au maximum. Donc j'espère que vous entendrez quand même assez bien malgré tout. Et la deuxième chose, c'est que à partir de la 52e minute, la vidéo n'a plus enregistré. Donc vous aurez seulement le son. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires et vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez également rejoindre notre Discord, QTrading Theory, le lien est dans la description. Donc, on va parler des NFT en général et en particulier du drop de NFT qu'il y a eu hier chez PancakeSwap, qui a fait cette deuxième ou troisième série de NFT. Donc là, comme on le voit sur le site, hein, Pancake Squad, il y a 10 000 lapins, aucun lapin en double. Et donc, ils sont tous différents, avec des attributs différents, etc. etc. Et donc, ils ont pris, grosso modo, entre x7 et x10 dans les heures qui ont suivi. Et là, en ce moment, on est à x8, quelque chose comme ça. Et donc, on va essayer d'analyser pourquoi ça a pris autant de valeur et comment faire pour trouver des projets qui répondent à certaines caractéristiques précises qui font que justement un projet peut avoir autant de valeur. Ce qu'il faut se dire pour commencer, c'est que on parle beaucoup de la rareté. Le fait que les choses sont rares et du coup les gens vont vouloir les avoir, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal d'exemples assez intéressants dans le passé de choses qui sont collectionnables, qui ont été des bulles. Un exemple très connu que tous ceux qui sont un peu dans le domaine de la finance et du trading connaissent, c'est le fameuse histoire du bulbe de tulipe en Hollande au XVIIe siècle, je crois. Qui valait plus cher que plusieurs maisons pour un simple bulbe de tulipe, la tulipomania. Il y a eu d'autres expériences, d'autres cas plus récemment. Il y a eu par exemple aux États-Unis un truc qui s'appelait les Beanie Babies, qui étaient des petites peluches vendues pour 5 $ et qui se vendaient sur eBay jusqu'à 13 000 $. Bon, voilà. Et puis la bulle a explosé et aujourd'hui on les trouve pour moins cher que leur prix d'achat. Vous les retrouvez pour moins de 5 $ sur eBay. J'ai vu ça dans cette vidéo super intéressante d'un gars que je vous recommande de regarder qui s'appelle Patrick Boyle et qui parle justement quels sont les retours sur investissement qu'on peut attendre des collectionnables. Il parle des Beanie Babies et des NFT et il fait donc ce parallèle. Chaîne super intéressante, il y a pas mal d'humour, c'est un gestionnaire de fonds, un gérant de fonds en Grande-Bretagne qui est spécialisé dans le trading algorithmique. Et donc il parle de beaucoup de sujets d'actualité, et notamment celui-là. Vidéo vraiment très marrante, je vous encourage à la regarder pour prendre un petit peu de recul et comprendre la psychologie humaine sur ces bulles, et pour justement pas tomber dans les affres et dans les biais psychologiques qui font qu'on achète des choses qui prennent énormément d'argent et puis à la fin on prend pas ses profits et finalement on n'a rien gagné du tout. Alors un truc qui fait que les NFT à mon avis sont différents des Beanie Babies, c'est que les NFT c'est un objet de vanité entre guillemets, c'est-à-dire que on peut en fait aujourd'hui montrer son art, les choses qu'on a achetées, et pavoiser en montrant à quel point on a bien choisi un NFT et à quel point il vaut cher. Et ça, c'était impossible de le faire avant, puisque avant, il fallait avoir une galerie pour montrer ses tableaux et ses sculptures, et il y avait un nombre de visiteurs limité. L'avantage aujourd'hui d'Internet, c'est que vous pouvez montrer vos NFT à tout le monde en le mettant par exemple comme image de profil
sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a quelques jours, ça c'est l'équipe Twitter, vous voyez, le 29 septembre, il y a une développeuse qui est française, voire francophone en tout cas, qui a publié cette petite vidéo de 52 secondes. Je vous propose de la regarder. Elle montre en fait comment on peut mettre ses NFT en photo de profil et surtout que Twitter valide ce NFT et mettre un petit logo spécial pour montrer que c'est bien vous effectivement le possesseur du NFT. Donc je vais mettre la vidéo. Je ne sais pas si vous entendez le son. I wanted to show you some experiments we did about NFT. So basically, you would be able to edit your profile, click on your avatar. Vous pouvez changer votre photo tout simplement. Vous connectez à votre portefeuille crypto. Vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a MetaMask, mais il y en a d'autres. Et là, une fois que vous êtes connecté à votre portefeuille, vous pouvez voir tous les NFT que vous avez sur votre portefeuille, en choisir un et l'afficher comme photo de profil. Et là, vous voyez, il y a un petit logo Ethereum qui montre que vous avez bien ce NFT sur le réseau Ethereum. Donc, tous les gens qui voulaient faire des captures d'écran et mettre une capture d'écran en photo de profil pour faire croire qu'ils avaient acheté un NFT, ça va plus être le cas. Donc, ça donne une énorme visibilité au NFT. C'est super intéressant. Il y a 1,6 million de vues sur une vidéo qui a une semaine. Donc, je pense qu'il y a tout un public de crypto, de gens crypto comme nous, hein, qui sont intéressés justement pour pouvoir mettre leur NFT validé qu'ils ont acheté très cher sur la photo de profil. Et c'est ça justement qui donne de la visibilité et qui donne de la valeur au NFT à des millions, voire des centaines de millions de personnes. Donc, on va voir pourquoi PancakeSwap c'est un projet super intéressant et pourquoi on a payé hier 300 $ pour un NFT et qu'il en valait quelques heures plus tard 3000. Donc, on a fait un petit x10 pour le moment, hein, puisqu'à mon avis, c'est pas fini, c'est pas fini de monter. Donc, PancakeSwap, on voit que c'est un DEX, hein, un échange décentralisé. C'est le troisième plus gros DEX dans tout le monde de la crypto. Là, c'est sur les dernières 24 heures en termes de volume. Donc, vous voyez que hier, enfin, sur les dernières 24 heures, il y a eu 859 millions d'euros de valeur échangée. La part de marché dans toute la DeFi, c'est 11,90%. Donc, c'est énorme. Et si on regarde sur DeFi Station, là, c'est uniquement sur la BSC. PancakeSwap, c'est le premier DEX, c'est la première plateforme sur la BSC, puisque c'est un DEX, c'est aussi une plateforme de gaming. Bon, il y a ces prédictions sur le cours du BNB, entre autres. Et puis maintenant, il y a cette place de marché de NFT, dont beaucoup d'entre nous avons profité hier. Et donc, vous voyez, en termes de volume de market cap, on est à 4,52 milliards. Donc, ça, c'est la valeur du CAC total. Et en termes de TVL, donc le Total Value Locked, la valeur des fonds déposés sur PancakeSwap, c'est 17,54 milliards de dollars. Donc, c'est assez important. Et en comparaison, Venus, qui est une plateforme de prêt et d'emprunt de crypto n'a que moins de 4 fois moins, plus de 4 fois moins, pardon. Donc, en termes de comparaison, vous voyez que c'est assez. C'est un gros premier, c'est un petit deuxième, quoi. La concurrence n'est pas rude. Enfin, c'est PancakeSwap qui est vraiment un gros leader. Sur Twitter, on va regarder Venus Protocol. Hop. Et vous voyez que là, ils ont 127 000 followers. Donc, c'est pas mal pour 4 milliards. Donc, en théorie, PancakeSwap devrait en avoir bah, 4 fois plus, hein, puisqu'ils ont 4 fois plus de TVL. Mais vous allez voir que PancakeSwap, ils ont 1 million de followers sur Twitter. Donc, ils n'ont pas 500 000 ou 600 millions, ils en ont 1 milliard, 1 million, pardon, 500 000 ou 600 000, ils en ont 1 million. Donc, c'est absolument énorme. Ce qui fait qu'ils ont aussi beaucoup de personnes qui sont intéressées par leurs produits. Alors, comment fait PancakeSwap pour avoir autant de followers? Bah, ils ont une véritable identité visuelle avec des petits lapins mignons, avec des petits accessoires, etc., etc. Tout le monde veut les avoir. Ils mettent des petites blagues, ils cachent des trucs dans les NFT, ils font des concours, etc., etc. Vénus, par exemple, ne fait pas ça. Ils n'ont pas la même communauté parce que Vénus Protocol, si on regarde, ils sont beaucoup plus axés sur quelque chose de sérieux. Voilà, on voit l'image, c'est
plutôt pour les particuliers qui se recherchent justement de la stabilité dans les cryptos et pas le côté gaming et un petit peu comment dire faire des paris quoi. C'est pas des gamblers qui vont sur Vénus, c'est des gens qui veulent avoir des taux d'intérêt qui sont assez faibles mais avoir une certaine sécurité. Voilà. Donc ça c'est un facteur intéressant de comparer ça. L'histoire des NFT, je ne vais pas vous la refaire parce que vous l'avez peut-être entendu un peu partout, mais un des premiers projets, c'est CryptoPunks. Si on compare, c'est un peu ce que je vais essayer de faire pendant ce live, de comparer en fait un projet comme Pancake Squad et les projets qui ont eu du succès avant. Donc on va prendre les projets qui ont eu du succès avant. Un des premiers projets crypto, c'était, ou le premier, je crois que c'était CryptoKitties, mais je ne vais pas en parler. Je vais parler de CryptoPunks, qui est le plus connu. Donc vous avez certainement tous entendu parler. Donc, en termes de comparaison, il y a 10 000 CryptoPunks. Ok, donc la même chose que Pancake Squad. Là, on a 3,1, 3100 propriétaires de CryptoPunks. Ça fait 3 CryptoPunks en moyenne hein, par personne. Le floor price safety n'est pas affiché. Là, on a le volume. Donc, ça date de 2017. En 2017, depuis mi-2017, donc depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, vous voyez que les CryptoPunks qui se vendaient pas très cher au début se vendent aujourd'hui une fortune, puisque si on prend les CryptoPunks les moins chers en vente actuellement, celui-là il était vendu pour 18 Ethereum, donc l'Ethereum est à 3 600 $, donc je sais pas, ça fait 70 000, peut-être 80 000 $, quelque chose comme ça. Et là, si on regarde les dernières ventes les plus élevées, on voit que celui-là était vendu à 4 200 Ethereum. Donc, on va faire le calcul vite fait. 4 200 fois, j'ai dit 3 600, je crois que c'est 3 600. Hein, ça fait 15 120 000 dollars. Voilà. Donc, c'est un NFT avec quelques pixels qui vaut 15 millions de dollars. Il a été vendu hein, à ce prix-là. Donc c'est pas une enchère, c'est pas un prix que veut un acheteur. Non, non, il a déjà été vendu à ce prix-là. Celui-là aussi, bon, c'est des aliens, pour ceux qui connaissent un petit peu, il n'y en a que deux, je crois. Voilà, donc des NFT uniques, il y en a 10 000. Donc finalement, c'est très similaire à Pancake Squad. Un autre projet qui est assez similaire aussi et qui est beaucoup plus récent, qui est sorti, me semble-t-il, cette année ou en fin 2020, le Bored Ape Yacht Club, avec également 10 000 objets uniques et un floor price, un prix plancher qui est aujourd'hui à 35 Ethereum, ça fait, je crois, 130 000 dollars, quelque chose comme ça. Là, vous voyez, on regarde un petit peu les prix. Si on fait la dernière vente la plus élevée. Ouais, vous voyez, ça tourne tous autour de 31. Alors ça, est-ce que ça veut... Ouais. Bref. Non, 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 ça a été vendu 700 Ether. Hein. Ça a vraiment été vendu 740 Ether? Oui. Best offer, c'est des offres que le gars a actuellement. Ouais. Le last, combien ça a été vendu la dernière transaction? Ouais, ok. Donc Le c'est plus haut, il ouf. était vendu 769 Ether, cela. Putain. 740 Ether. Ouais. Ouais, donc c'est bien Ah ça, ouais, ouais. t'es tenté de racheter à 31 Ether. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est fou. Donc c'est encore une fois quelque chose de très similaire. Hein. Et surtout que ce projet-là, vous voyez qu'en termes d'augmentation du prix, ça n'a pas pris 4 ans et demi pour monter comme les CryptoPunks, qui sont certes plus élevés en termes de prix. Hein, mais là, en quelques mois, c'est parti de. Le prix de départ, c'était 0,08 Ether. Et là, on est à 35 Ether. Donc je vous laisse sur le multiple, mais c'est des gros multiples. Hein, c'est des trois chiffres. Pour certains, quatre chiffres d'ailleurs. Donc ça fait fois 1 000 quoi, fois 100, fois 1 000. Un autre projet similaire fait par la même équipe, c'est The Doge Pound, voilà, qu'ils ont sorti donc après le Bored Ape Yacht Club, avec un prix pareil de départ, c'était une fraction d'Ether, et là c'est 3,5. Donc voilà, et encore une fois, il y en a 10 000, ils ont tous des caractéristiques différentes, etc., etc. Donc moi j'ai fait un petit tableau Excel pour un peu comparer les trucs. Donc les générations 0, je ne me suis pas trop intéressé, mais en gros il y a plusieurs critères. Là, il y a un critère, c'est que par exemple
une barrière à l'entrée. Pour PancakeSwap, la barrière à l'entrée, c'était d'avoir un profil PancakeSwap qui coûte, je crois, 1,5 cake. Et puis ensuite, il fallait 15 cake pour acheter un NFT, donc c'était environ 300 $, et du BNB pour les frais. Tout le monde dans le milieu de la crypto n'a pas forcément 15 cakes, parce que déjà ça représente 300 $, mais en plus, il faut que ça soit du cake. Donc ça fait une barrière à l'entrée. C'est que les personnes qui sont averties, qui connaissent bien le réseau PancakeSwap, qui s'y intéressent, qui suivent, qui n'ont pas raté la date, puisque quand le stock est limité, en général, ça part très vite. Donc, il fallait pas rater la date. Il fallait être debout à 10 h du matin, heure de Paris. Donc, les Américains, et pour eux, il était 3 ou 4 heures ou 5 heures du mat, ils dormaient. Donc, forcément, nous, Européens et ceux qui sont en Asie, on a eu de la chance de pouvoir acheter tout ça en 20 secondes, puisqu'en 20 secondes, c'était parti. Donc, ça, c'est une barrière à l'entrée qui est assez difficile, enfin, qui est une première barrière à l'entrée. Ensuite, il y en avait en pré-vente, oui, mais il fallait 40 ou 60 000 $ de NFT, des NFT précédents, donc de la génération 0, pour pouvoir acheter en pré-vente des Pancake Squad. Et là encore, il y en avait un nombre assez limité, si ma mémoire est bonne. Je vais augmenter un peu, vous verrez peut-être mieux, parce que pas grand-chose dans mon tableau de toute façon. La rareté, bah voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y en a 10 000. Et la similarité, donc est-ce que c'est unique? Oui, cette fois-ci c'est unique. Pour les Pancake Bunnies par exemple, c'était pas unique, il y en avait plusieurs. Il y avait, je sais plus, une dizaine me semble-t-il de catégories, j'ai pas participé à cette vente-là. Mais après il y avait 500, il y avait 100 fois le même ou quelque chose comme ça. Enfin ça, Flo pourra peut-être nous dire. Fois, il y en avait 5 différents et 100 exemplaires. 5. Enfin, un peu plus, mais un peu plus parce qu'il y en a qui 5 ont fois été 100. burn. Ok. Donc, je crois qu'il devait y en avoir 600 et il y en a 100 qui ont été burn, quelque chose comme ça. Ok. Merci. Un site super intéressant que nous a partagé Marc tout à l'heure, et je le remercie beaucoup, ça permet de classer les Pancake Squad par rareté en fait. Donc c'est quelque chose sur lequel on se focalise beaucoup. Vous verrez que tout à l'heure, il n'y a pas que ça qui compte, mais on va quand même en parler parce que c'est important, effectivement. C'est la rareté. Donc, on sait sur la liste de PancakeSwap, qui est ici, que on va dans NFT Squad, et là, on va dans Traits. Et vous allez voir que ils ont fait un tableau. D'ailleurs, avant que ça sorte, de toute façon, les NFT ont été distribués au sort. Par exemple, on va prendre Bunny. Donc, ça, c'est le corps du Bunny. Ça, c'est les moins rares. Plus le chiffre est élevé, plus il y en a. Donc 949 sur 10 000, ça fait 9,49% qui sont de couleur blanche. 940, donc 9,4% de couleur marron, etc. Vous avez compris. Les plus rares, c'est Ice Cream, donc une glace, et il n'y en a qu'un seul. Et en fait, tout cela, on a vu, c'était des NFT qui étaient uniques et qui correspondaient à toutes ces caractéristiques-là. Donc il y en a, vous allez voir, il y en a 12, je vais vous les montrer, qui sont absolument de texture unique avec tout est complètement unique en fait, c'est une image à part entière quasiment. Ouais, Stitches, là c'est du tricot, là il y a un alien, le ballon on l'a vu passer parce qu'on en a parlé hier, ce ballon-là il a été vendu, c'est même bon, à 445 000 $. On en a pas mal parlé hier. Il a été vendu, hein. Il y a quelqu'un qui l'a obtenu et qui l'a vendu à quelqu'un d'autre C'est pas dans... moi qui l'ai acheté les gars. Non, c'est pas... Enfin, c'est Flo mais c'est avec un autre compte, c'est pour ça on n'arrive pas à le voir. Mais au bout de 56 minutes, donc à 10 h, à 10 h, la vente a commencé à 10 h 56, une personne a acheté ce NFT pour 445 000 $. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez tous vu, mais celui-là on n'a pas encore vu passer, je crois. Celui-là on a déjà parlé, celui-là il est déjà en vente. Celui-là il a été vendu, je crois aussi, j'avais regardé. Bon, là il veut 10 000 BNB, hein, celui qui le vend ou qui le revend. Il a raison, puisque c'est le prix maximal, donc ça coûte rien d'essayer. Et c'est un des 12 NFT qui sont absolument uniques. Celui-là, c'est celui sans tête, on l'a pas encore vu passer. Celui-là, on l'a déjà vu passer. Celui-là, on l'a vu passer aussi. Le Pikachu, on l'a vu passer aussi. Celui-là, c'est le Popular Rodent. Et la glace, on l'a pas encore vu passer, mais là, vous pouvez la voir. Ah si, bah, elle est déjà en vente aussi. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres. Bah, ça y est, on commence à avoir des NFT qui sont... Ouais, elle est géniale. Génial. Là, on commence à avoir des NFT qui font plus partie des 12 uniques, mais qui sont avec des caractéristiques très rares. Par exemple, les yeux laser, je crois, bah, il n'y en a que 9, vous voyez, il y en a 9 sur 10 000, donc 9, 0,09%. Et Pignata, il y en a 78 sur 10 000, donc 0,78%. Et donc, combiné toutes ces caractéristiques-là, en fait,
ce programme là, Fabboard nous donne en fait, a fait les maths pour nous et nous combine toutes ces probabilités là et affiche dans un ordre croissant ici, enfin décroissant, enfin croissant, ouais, la probabilité d'avoir ces NFT. Donc celui-là il est c'est le deuxième le plus rare en fait, parce que c'est là où le classement est un petit peu biaisé entre guillemets, c'est que pourquoi celui-là ce serait premier et pas celui-là en fait? Les 12 premiers sont premiers ex aequo. Donc celui-là par définition il est deuxième, et là il faudrait faire les calculs, mais celui-là est peut-être deuxième aussi, deuxième ex aequo. Voilà. Donc sur les 10 000, il y en a en fait qui ont la même valeur. Par exemple, ces 12 premiers-là, ils ont la même valeur. En théorie, hein, après, c'est une question de goût, mais en termes de purement de statistiques et de probabilités, ils ont la même valeur. Ceux-là, c'est pareil, il faudrait faire les calculs, parce que là, il y a 6,91, et là, il y a 7,45, mais là, il y a 1,75, et là, il y a 3,31. Enfin bref, vous avez compris l'histoire. En tout cas, vous voyez, ceux qui ont des yeux laser sont juste après les 12 premiers. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, il n'y en a que 9 qui ont ça, et ça, c'est une des caractéristiques les plus rares. Donc voilà, on ne va pas faire toute la liste, parce qu'il y en a 10 000, donc ça prendrait un petit peu trop de temps. Mais vous pouvez mettre le numéro de, ici, le token ID, de numéro, par exemple, celui-là, c'est le numéro 131, donc si vous mettez 131, vous trouvez celui-là. Vous pouvez mettre votre adresse, ou l'adresse de quelqu'un d'autre aussi, pour voir tous les NFT qu'il a dans son portefeuille. Et vous pouvez, après, choisir des caractéristiques, par exemple. Moi, il y a un truc que j'ai cherché tout à l'heure et que je trouvais sympa, c'était de dire que on cherchait celui qui avait comment il s'appelle? Fast food, le chapeau fast food, donc c'est la casquette McDo, et les vêtements de tatata, vous avez deviné, les vêtements, je vois plus, voilà. Vêtements fast food. Ça, c'est un combo qui est assez harmonieux, qui passe bien ensemble, d'avoir le couvre-chef assorti aux vêtements. Et vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Il y en a des beaux, hein. 9, 10, enfin, il y a une dizaine, quoi, grosso modo. Ouais, il y en a des beaux. Donc, ça, c'est des trucs harmonieux. Et pourtant, vous voyez que le classement, celui-là, ok, c'est 518 parce que c'est une texture assez spéciale. Mais là, si on prend la fin, celui-là, en théorie, il est 7675e. Alors que, clairement, et c'est pour ça que je vous dis que les statistiques ne font pas tout, les statistiques, vous voyez, par exemple, là, il n'a pas d'oreille. Donc, il y a 61% de probabilité qu'il n'ait pas d'oreille. Mais en fait, on s'en fiche de ça, puisque les statistiques sont mauvaises, mais esthétiquement, c'est un lapin qui est assez cohérent. Donc, il y a des gens qui préféreront l'acheter. Et ça, c'est complètement subjectif, hein, pour le côté entre guillemets artistique, ou pour l'apparence, le côté esthétique, parce qu'il est cohérent. Voilà, on peut dire qu'il a un petit, il bave un petit peu parce qu'il a faim. Enfin voilà, chacun voit ce qu'il veut après, etc. Je vais vous montrer des exemples de NFT que je trouve assez cohérents. Celui-là, par exemple, je trouve sympa. Il y en a un qui est passé, que j'avais posté hier, qui était assez similaire. Je disais, ah bah, si vous voulez acheter Freddie Mercury pour 7 BNB, vous pouvez le faire. Bon, celui-là, il a des pancakes là, sur la tête, mais vous voyez, il a une petite moustache, il a un petit Marcel, il a un petit tatouage, c'est un truc cohérent, quoi. Ça, pour moi, ça vaut plus qu'un truc pas cohérent que je vais vous montrer juste après. Là, je vous en montre un autre qui est cohérent, un autre McDo. Voilà, et en plus, celui-là, hein, il a un soda dans la bouche. Là, il n'y en a qu'un seul. J'ai regardé, hein, tout à l'heure, il n'y en a qu'un seul qui a la casquette de fast-food, le t-shirt de fast-food et un soda. Donc, c'est une image qui est super cohérente. Je vous en montre Moi, des. j'ai une question. J'ai une question vite fait, tu vois. Ouais. Je parle de la cohérence. Toi, par exemple, j'ai acheté un NFT PancakeSwap où tu vois, il y a des mouches et le mec, il a les yeux en croix, tu vois. Je me suis dit pareil, genre, on dirait que le NFT, il est mort, tu vois, parce que les trucs allaient bien ensemble, tu vois. Bah, je trouve aussi, ouais. Et du coup, tu vois, je me suis dit, ouais, donc ça a une valeur quand même le fait que ce soit cohérent. Bah, pour moi, oui, mais après, c'est subjectif. Il y en a qui joueront que par les probabilités et les statistiques, mais je vais vous en montrer après. Franchement, des probabilités et des statistiques, il y en a des trucs qui sont dégueulasses, hein. Et il y en a d'autres qui joueront plutôt par l'aspect esthétique, quoi. Donc là, c'est un deuxième que je trouve sympa. Là, je vous en montre un pour moi qui n'a pas de valeur, qui n'a pas beaucoup de valeur, c'est parce qu'il n'est pas très cohérent. C'en est un qui a un uniforme de, je sais pas, d'orchestre, et des petites oreilles de bunny, de Playboy. Et en plus, il a un petit nœud sur l'oreille, donc ça fait un petit peu trop de couvre-chef. Pourquoi il a cet uniforme-là et un couvre-chef qui passe pas avec? Bon, c'est pas très cohérent, je trouve.
Celui-là, pareil, il a un nœud, il a un truc de marin, donc normalement, tu peux pas vraiment avoir deux couvre-chefs, ça va pas très bien ensemble. En plus, il a un petit bandeau, là, un petit masque sur les yeux de voleur, et il est en costume avec un nœud papillon. Enfin, honnêtement, moi, je trouve que c'est des signaux qui sont assez contraires, quoi. Là, par exemple, un autre exemple encore plus marquant, y en a un qui est en bikini. Mais il a une moustache et il a des petites oreilles. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est un travelot? Enfin, qui va vouloir acheter un truc pareil à 85 000 balles? Enfin, pas moi en tout cas. Il y en a peut-être qui trouveront, hein, qui trouveront ça trop marrant, mais. C'est Chouchou, Bon. un défenseur de la LGBT du genre peut-être. Peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'est. Je sais pas, c'est bizarre quoi. J'en avais posté hier aussi dans le salon, dans le canal Pancake Swap, qui avait. Je sais plus, un casque, enfin bref, c'était des trucs qui allaient pour moi absolument pas ensemble, quoi. Donc voilà, tout ça pour revenir pardon, là-dessus, et pour dire que si vous avez des NFT et qu'ils sont esthétiquement jolis, encore une fois c'est subjectif, mais qu'ils ont des probabilités qui sont pas excellentes, bah, ils vaudront peut-être plus. Que ce NFT-là, avec peut-être, bon, les yeux laser, c'est exceptionnel en termes de probabilité, mais celui-là, il est en bikini avec un béret. Bon, si on est en bikini, on met pas un béret. Je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un sur la plage en bikini avec un béret, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo, sur PancakeSwap. Du coup, To the Moon ou Bah, alors, du coup, Spider-Man 2 là? pour moi, To the Moon, parce que on a vu le succès de CryptoPunks, on a vu le succès de Bored Ape Yacht Club. CryptoPunks, on pourrait dire, ah, c'est les premiers NFT sur Ethereum, donc c'est exceptionnel, c'est comme le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, tout ce qui est premier, c'est un game changer, quoi. Ça change la donne, ça n'a jamais été fait avant, et donc ça a de la valeur parce que c'est premier. Donc voilà, mais par exemple, on a quand même vu le succès d'un Bored Ape Yacht Club, alors que ça n'a rien de révolutionnaire, entre guillemets. C'est le deuxième, enfin, c'est même pas le deuxième, c'en est un, simplement il a très bien marché. Là, pour moi, Pancake Squad, c'est les premiers. Alors, c'est pas les premiers sur la BSC, mais c'est les premiers vraiment uniques sur ce modèle-là de 10 000 limités. Sur la BSC, sur la plateforme qui est la première sur la BSC. On l'a vu tout à l'heure, PancakeSwap, c'est de loin la première sur la BSC. Donc pour moi, c'est assez. Ça a pas mal de valeur, ça. Surtout qu'il y a, en fait, il y a un élément important à prendre en compte. C'est que, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 1 million d'utilisateurs, il y a 330 000 personnes qui ont fait des profils, et ça, c'était avant de compter les personnes qui ont fait un profil exprès pour la vente. Parce que ceux qui ont fait un profil exprès pour la vente, on peut considérer qu'ils ne sont pas vraiment commit dans PancakeSwap, qu'ils s'en foutent, et que c'était plutôt des opportunistes. Et du coup, il y avait quand même déjà 330 000 personnes qui avaient un profil depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois avant la vente. C'est quand même significatif parce que le profil est payant. C'est engageant quand tu payes des cakes, 1,5 cake, 20 balles. Tout le monde ne va pas payer 20 balles pour avoir un profil. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, tu t'engages dans le projet en faisant ça. Donc ça ajoute de la valeur. 330 000 personnes, c'est énorme. Et comme on dit tout le temps, hein, les gens qui bossent dans le web ou qui ont des sites internet connaissent, à partir du moment où le client met sa carte bleue, même si c'est 5 euros, et ben on sait que la personne, elle est commit, elle est engagée et du coup, elle est prête à plus. Que mettre 5 euros. Et du coup, là, c'est pareil, quand les personnes ont payé un profil, bah, ils sont en quelque sorte commit, et donc 330 000 personnes, il y a seulement 10 000 exemplaires. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en décembre dernier, donc il y a eu la vente, la première vente de NFT avant tout buzz, avant même que CryptoPunk buzz, ils avaient vendu 500 NFT, enfin 600 NFT Gen 0. Et en fait, il y a des gens à cette époque-là, on leur avait proposé, PancakeSwap avait proposé. Si vous voulez, vous pouvez burn votre NFT pour récupérer des cakes. Mais en fait, à l'époque, c'était une misère. Les mecs, ils avaient burn leur NFT, puis ils avaient peut-être récupéré 20 balles ou 30 balles. Enfin, c'était pathétique, quoi. Et aujourd'hui, les NFT que les mecs ont burn, ont choisi volontairement de burn pour récupérer quelques cakes, en fait, ils valent 50 000 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'était en décembre 2020, avant le boom des NFT. Et du coup, aujourd'hui, on a pu voir, la semaine dernière, donc, que les gens qui avaient gardé ces NFT Gen 0 ont été récompensés par le fait d'avoir accès à la private sale, la pré-sale pour acheter leur NFT. Et du coup, c'est un signe que voilà, PancakeSwap
toujours envie de remercier les utilisateurs qui le supportent, et ça, ça s'est vu sur plein de contextes, sur plein d'événements, sur plein de choses qu'ils organisent, les loteries, etc. Et là, du coup, on est en droit de penser que les propriétaires de l'un de ces 10 000 NFT qui ont confiance en TechSwap, tôt ou tard, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans un an et demi, on ne sait pas, seront remerciés d'une manière ou d'une autre grâce à un événement qu'on ne connaît pas encore. En fait, ils peuvent très bien dire, on va sortir un animé, on va sortir un play to earn, on va faire quelque chose, on va intégrer nos NFT dans un autre jeu. Moi, je pensais à Fall Guys, je ne sais pas si vous connaissez Fall Guys, il y a des centaines de millions de joueurs, ou en tout cas des dizaines de millions de joueurs sur Fall Guys. Imaginez, moi j'ai joué un peu avec des potes, c'est genre un Mario Party, on nous dit aujourd'hui, tiens vas-y, tu peux charger ton Pancake Swap, ton Pancake Squad dans Fall Guys. Mais c'est un délire, tu débarques dans le jeu avec ton Pancake Squad. Donc en fait, la porte est ouverte, et on les connaît, ils sont très très bons en marketing, ils sont très bons pour faire des events, ils peuvent très bien prévoir des choses de dingue, et qui du coup rapporteront encore plus de valeur et feront FOMO les gens. Parce qu'à partir du moment où on te dit, bah écoute, voilà, si tu as un de ces 10 000 NFT, ça va te permettre de faire ça, en fait ça va être la course. Et c'est à partir de ce moment là, le floor price va monter de manière exponentielle, quoi. Donc je pense qu'il est intéressant à très court terme, c'est un peu long les gars parce que je vous avoue dire, mais à très court terme, il y a de fortes chances qu'on voit le floor price baisser. Donc ceux qui en ont pas encore et qui potentiellement ont envie d'acheter, je pense que soit vous vous dites 5 BNB, bah ok, c'est, je crois à long terme sur le truc, j'investis mes 5 BNB. Mais si jamais vous n'êtes pas forcément pressé et que 5 BNB ça représente beaucoup, je pense qu'il faut quand même régulièrement surveiller, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, parce que à court terme, il y a des gens qui vont être impatients en fait. Ceux qui ont acheté en décembre leur NFT et qui les ont burn, il y en a d'autres qui ont vendu leur NFT, ils ne savaient pas qu'il allait avoir quelque chose dans 6 mois ou dans un an. Donc là aujourd'hui, il va y avoir une longue attente avant qu'il y ait une utilité à ce NFT. Donc du coup, il y a plein de gens qui vont être impatients et qui vont vendre leur NFT, même rare, très peu cher. Et donc c'est là où vous pouvez, si vous voulez, avoir des opportunités et du coup acheter des NFT qui vous plaisent ou des NFT rares, et du coup vous dire ok, bah celui-là j'achète. Moi tout à l'heure, hier j'ai participé, j'avais 6 NFT, il n'y en avait aucun que vraiment j'étais à fond dedans, et ben aujourd'hui j'ai eu la chance d'en trouver un rare entre guillemets, c'est pas un truc unique ou quoi, mais gros coup de foudre, je l'adore, il était à un prix, il était bradé, je l'ai acheté. Ouh. Et je sais que celui-là, je vais le garder 5 ans, quoi, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose avec. Donc en fait, ils récompenseront les holders, ils récompenseront les gens qui ont été patients et qui ont holdé leur NFT. Ça, c'est voilà, le deuxième point. Et le dernier point, j'ai oublié le dernier point, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que c'est mon dernier point, les gars? Bah, je sais plus, je sais. De toute façon, de toute façon, je pense que ça vaut le coup au moins d'en avoir un. Ça n'est pas obligé de se précipiter parce qu'à court terme, il y a quand même de fortes chances que le prix baisse parce qu'il y a toujours des impatients, mais qu'à moyen long terme, c'est des prix qu'on ne reverra plus. Simplement. Voilà. Là, le plancher est à 5,3 là. 5,3. C'est sur PancakeSwap. Je crois qu'il y a parlé. Celui-là, il est sympa en plus, 2 200 $. Celui-là, il est cohérent par exemple. Une meuf en bikini, je sais pas, qui joue au tennis, on peut imaginer ça quoi. Il y en a des très 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 sympas que les gens bradent parce qu'en fait les gens n'ont pas de patience. Ouais. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'argent aussi, il y a des gens qui veulent faire un profit rapide. S'ils ont eu un truc gratos, ils font leur x8 et voilà. Mais si vous voulez faire un x100, bah, il faut attendre. Voilà. Si vous voulez le revendre 30 000. Il y a une chose que je voulais dire. Excuse-moi Eric, dernier point, il y a des gens, comme ce qui s'est passé sur CryptoPunk, comme ce qui s'est passé sur les boards App Yacht Club là, il y a des gens, ils accumulent. J'ai trouvé des profils aujourd'hui, il y en a, ils en ont 30, 35, 40. Les mecs, c'est déjà des baleines. Et si ces gens-là accumulent 30 Pancake Squad à 6 BNB, oui, certes, ils ont un peu de sous. Mais c'est pas parce que tu as des sous que tu vas commencer à accumuler comme ça une quantité énorme, parce que ça représente vite beaucoup d'argent. Et généralement, on se rend vite compte. D'ailleurs, Eric suit pas mal de youtubeurs qui sont à fond dans les NFT, des anglophones. Les mecs, ils ont des collections comme les singes et tout, ils en ont 15, ils en ont 20. Parce qu'en fait, ils ont accumulé dès le début. Aujourd'hui, les mecs, ils ne peuvent plus forcément en acheter 20 parce que ça coûte tellement cher, c'est 200 000 le NFT. Donc en fait, c'est le moment, si on croit
en la marque, si on croit au projet, si on croit dans l'idée d'identité visuelle. Moi, vous le savez tous, je suis à fond sur PancakeSwap depuis janvier, je pense qu'à ça. Mais donc forcément, j'y crois, j'ai envie d'accumuler. Mais si vous vous dites spéculativement, ok, il y a quelque chose à faire, ça peut grossir en termes de prix, parce qu'il y en a plus 10 000, parce qu'il y a 300 000 profils, etc. En fait, c'est le moment d'accumuler quand on est sur un floor price qui est bas. Et après, quand ça va commencer à monter, ça sera plus le moment. Et je sais très bien que généralement, on se dit putain, ça baisse, c'est pas le moment, j'ai peur. Et en fait, c'est à partir du moment où ça va commencer à monter, il y a des gens qui vont FOMO, et c'est d'ailleurs pour ça que ça devient exponentiel, les mouvements. C'est parce qu'après, c'est à partir du moment où en fait, on a les confirmations, c'est bon, le mouvement est parti. En fait, il y a les gens, ils se rattrapent aux branches. Ils disent, ah bah putain, merde, j'ai loupé, vas-y, j'y vais. Alors que c'est resté 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avec un floor price bas, quoi. Et c'est dans ce moment-là où il y a le meilleur risque reward. Bien évidemment, le meilleur risque reward, c'était de participer à la private, enfin à la public sell et de l'avoir à 15 cakes. Mais tout le monde n'a pas pu l'avoir. Après, si on a un minimum de moyens, c'est pas parce qu'on a raté la public sell qu'il faut forcément se dire, bah merde, trop tard, j'en aurai pas, quoi. Parce que si on arrive à concurrencer, on est sur la BC, il n'y a pas de collection de NFT de ouf. Donc c'est un peu PancakeSwap, c'est le leader des DEX. Ça peut être les boards Happy Hot Club, ça peut être cela sur la BC. Et donc quand on voit les autres collections, le floor price, bah, on peut quand même se dire qu'on va pas rester sur ces prix-là très 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 longtemps, ou en tout cas indéfiniment, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, 100% d'accord. Pour rebondir sur ce que tu disais, l'engouement de la communauté PancakeSwap, ils font ça effectivement très bien. L'équipe PancakeSwap fait ça très très bien. Parce qu'ils aiment leur communauté, on le voit parce que par exemple, ils burnent les cakes qu'ils récupèrent quand il y a eu des ventes de NFT, etc. Donc ça fait monter le prix du cake. Ils n'empochent pas ça dans leur poche directement. Enfin, ils en profitent parce que le cours du cake, ils ont certainement des cakes eux-mêmes de façon privée, et le cours du cake augmente, et du coup, ça en fait profiter eux, mais pas uniquement eux, tous les possesseurs, tous les détenteurs de cake. Donc c'est une vision, à mon avis, c'est une bonne preuve d'une vision long terme qu'ils ont. Et moi, Flo, je sais très bien qu'il est dessus depuis janvier, on en parle depuis janvier, et chaque fois je le charrie en lui disant j'achète des petits lapins avec des crêpes épaisses sur la tête sur laquelle coule du sirop d'érable. Et c'est vrai qu'il y a un côté gamin, marrant, très puéril finalement. Mais à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que d'un point de vue marketing, ça marche, que les gens achètent. Et surtout d'être là dès le début, en fait. Et nous, on a eu la chance de pouvoir en acheter hier. On est plusieurs à avoir fait ça. Et ça, effectivement, c'est le meilleur plan. Et quand on voit la communauté de PancakeSwap, il n'y a pas que ça. Hein. C'est le plus gros DEX. À la limite, il n'y aurait pas de produit derrière. On dirait même que ça pourrait être dangereux. Là, c'est juste le plus gros DEX sur BSC, donc c'est hyper important. Et ils ont, par exemple, ils vendent des t-shirts. Vous pouvez acheter des leggings pour votre meuf avec des pancakes dessus et des lapins, quoi. Enfin, je ne sais pas si Venus Protocol, qui est le deuxième sur la BSC, vend des leggings pour votre meuf. Je pense pas, quoi. Mais c'est drôle, ça paraît ridicule à première vue, mais c'est ça qui fait qu'il y a de l'engouement. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'à la fin, Flo s'achète des Nike PancakeSwap pour $500, quoi. Voilà. Faut rappeler une chose que là Eric vous a dit et qui est extrêmement important, parce que je pense qu'il y en a la moitié qui ne le sait pas. PancakeSwap a encaissé aucun dollar de la vente. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui lancent des collections de PancakeSwap, de NFT, bah, ils prennent tous l'argent pour eux. C'est comme ça. Ils bossent 3 mois, 4 mois, 6 mois pour faire leur collection, pour faire leur marketing, pour faire leur lancement, etc. Les 4-5 auteurs de la team encaissent les 500 000, 1 million, 2 millions, 2 millions 5, c'est pour leur poche. Donc après, ils réinvestissent dans la communauté, ils font un projet avec, bien sûr, ils se prennent pas les 2 millions cash, et encore, c'est arrivé, il y a eu des scams la semaine dernière, etc. Mais PancakeSwap, ils n'ont pas pris un centime. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont encaissé, lundi prochain, donc on sera le je sais pas combien, 8, 9, 10, 11, lundi 11, ils vont racheter pour donc 10 000 fois 15 cakes, mais ils vont pas les racheter vu qu'ils les ont déjà. Donc 10 000 fois 15 cakes, ça va être burn. Donc c'est-à-dire c'est enlever du supply. C'est tous les lundis il y a un burn, tous les frais de la plateforme, que ce soit sur la loterie, que ce soit sur les prédictions, que ce soit sur les transactions, que ce soit sur les collections PancakeSwap et la marketplace
NFT au global, tous ces frais sont burn. Et pour répondre en plus à Eric qui a précisé, généralement ce genre de projet, l'équipe de dev, ils ont une adresse dev, un wallet dev, et en fait ils récupèrent une partie des frais sur leur adresse dev. Et c'est comme ça qu'ils se financent. Donc un pancake swap, il y a du supply, toutes les 3 secondes il y a un nouveau bloc sur la Binance Smart Chain, et donc toutes les 3 secondes il y a X cake qui est généré, et bien généralement cette partie là, c'est pas généralement, c'est il y a une partie de la génération toutes les 3 secondes qui tombe sur le wallet des devs. Cet argent là leur sert à financer les développements, à financer le marketing, etc. etc. Et bien pancake swap depuis plusieurs mois brûle également ce qu'ils récupèrent et ce qui est normalement fait partie de leur salaire. Donc c'est quand même extrêmement ouf. Extrêmement dingue. Oui, ils ont des cakes, ils ont leur cake privé depuis le début, et en fait ils vivent de ça. C'est vraiment c'est un gros signe de on n'est pas là pour vous entuber, quoi. Et du coup c'est vraiment apprécié par l'ensemble de la communauté. Ouais, c'est un projet anonyme, hein, malgré le fait qu'il soit énorme. On connaît pas le nom des développeurs, ils se font appeler chef sur Twitter, donc encore une fois ça pourrait paraître pas très sérieux. Je peux comprendre tout à fait qu'on puisse le considérer comme tel. Mais Flo vient de l'expliquer, hier il y a 10 000 fois 15 cakes qui ont été récupérés, ça fait 150 000 cakes, ça fait 3 millions de dollars. Et ça va être brûlé lundi, 3 millions de dollars. Ils ont fait 3 millions de dollars en 30 secondes hier, les développeurs de... Alors ok, il faut payer la meuf qui a fait le design, bon peut-être qu'elle a touché 50 000, voilà. Mais sinon ça fait quand même quasiment 3 millions de dollars. Elle est dans l'équipe déjà, elle. Ouais. Elle bossait déjà avant ces NFT là, je crois. Chef Ceci Mid. Doit avoir, ouais. Elle doit avoir des incentives en cake depuis un grand moment, quoi. Moi je pense qu'elle a gagné au moins un legging. Pour le moment, toujours, ouais. Toujours. Par contre, il y a eu un flippening, c'est-à-dire qu'on a atteint le moment où on a brûlé plus que ce qui a été produit. Que ce qui reste, que la supply restante. C'est arrivé il y a peut-être un mois ou un mois et demi. Tu vois. Donc c'est quand même un gros signe. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des cakes produits qui ont déjà été brûlés. Donc, malgré tout, oui, la supply est infinie. Mais en fait, ils rajoutent tellement de services qui permettent de brûler plus de cakes chaque semaine. Là, la plateforme NFT, il faut bien comprendre que ce qu'ils viennent de lancer, donc il y a les NFT Gen 0. Avec les Pancake Bunny, ça s'appelle la collection. Donc c'est les NFT Gen 0 plus les NFT de profil, les NFT de reward quand vous gagnez la loterie, etc. Bref, c'est plein de NFT qui sont regroupés dans la Pancake Swap Bunny. Ensuite, ils ont lancé Pancake Swap Squad. Donc là, c'est la collection, les 10 000, il n'y en aura jamais plus, etc. Et en fait, il va y avoir d'autres collections. Donc là, au début, Monsieur Tout-le-Monde ne va pas pouvoir mettre ses NFT sur cette plateforme. Eux sont en train de signer, ils ont déjà... probablement signé avec d'autres partenaires qui vont lancer des collections similaires. Donc en fait, des drops comme on a eu hier, on va en avoir d'autres. Et donc bien évidemment, je vous encourage à vous renseigner et à participer, parce que encore une fois, ça se passe sur plein de blockchains. Solana, je sais qu'il y en a plein de vous qui êtes sur les drops de Solana, sur Ethereum, etc. Hier, les Mechaverse, ils ont fait x10, x25. Ça va être la même chose. Il va y avoir d'autres collections et PancakeSwap utile. Avec des gros projets, ça va pas être des petits projets anon qui vont arriver au début en tout cas. Et ensuite, la marketplace sera publique, donc n'importe qui pourra uploader sa collection, etc. Là, quand on voit le coming soon, dans une semaine, deux semaines, trois semaines, il va y avoir un nouveau qui va venir. Et du coup, tous les frais générés, quand vous voyez le volume, Eric, on n'a pas parlé du volume, mais là, le volume, 46 480 volumes de BNB de volume hier sur la collection PancakeSwap. C'est énorme, 46 000 fois 400, je sais pas combien ça fait, fois 450, mais c'est un truc de dingue en 24 heures. Et tout ça, ça génère des frais. Donc 2% de ce montant-là à être burn. Donc ça, c'est du BNB, c'est vraiment du BNB. Il y a quelqu'un qui disait pourquoi on peut pas acheter en cake dans la marketplace, c'est pas top et tout. Ben en fait, non, justement, c'est super. Parce que si jamais les gens vendaient en cake, et ben un mec qui vend son truc en cake 10 000 balles et qu'il a envie de cash out, et ben il va vendre ses cakes sur le marché. Donc il va faire une pression baissière sur le cake. Alors que le fait que ce soit en BNB, les gens n'ont pas besoin de vendre. Et encore plus que ça, les frais qui sont prélevés, donc les 2%, servent à buyback du cake tous les lundis et à le burn. Il y a encore une pression baissière sur la supply, on réduit la supply dans le but de compenser ce que disait Manu Gans, qu'on a une supply illimitée. Voilà. Et l'avantage, c'est que malgré qu'on ait une supply illimitée, PancakeSwap
renouvelle ses produits, ajoute de nouveaux produits, ajoute toujours plus de nouveaux produits pour faire du burn the cake et donc réduire l'inflation. Et c'est super, c'est super. Ils ont tout compris, quoi. Voilà. Exactement. Ah ben ouais. Depuis janvier, hein, Flo, il a pas déchauffé, hein. Je suis chaud du cake de chichot, il suis de plus en plus chaud, quoi. C'est un truc de fou. Mais pas vraiment, voilà. Après, je vous dis ça. Moi, je vous dis objectivement, objectivement, qui est pas la supply, qui est une supply limitée, c'est négatif. Après, contrairement à beaucoup d'autres projets, parce que moi, je vois les points négatifs aussi. Mais contrairement à beaucoup d'autres projets, eux font en sorte de faire du burn. Ils font en sorte de trouver des mécaniques pour burn toujours plus de cake. Ils ont pas de problème de faire des votes communautaires pour réduire l'émission, etc. Dire voilà et. Et malgré qu'il y ait une supply limitée, c'est pas pour que s'en mettre plein les poches, ce qui prenne rien en fait. C'est super bon signe par rapport à d'autres projets, quoi. Par contre, il y a un jour, ils débarquent, ils ont fini tous leurs projets, ils se disent ok, bon, c'est bon, on a quand même gagné pas mal de sous, on n'a plus besoin de faire autant de rewards. Pour info, Uniswap, qui est donc le premier AMM sur le réseau Ethereum, PancakeSwap, c'est un fork Uniswap, d'accord? Uniswap. Au début, ils distribuaient des rewards UNI à tous les providers de liquidity. Tous ceux qui donnaient leur liquidité sur Uniswap, ils étaient rémunérés en UNI. Un beau jour, ils ont dit fini, on donne plus de UNI. Parce que ça avait trop de dilution, machin, blablabla. Toutes les liquidités en 48 heures, divisées par 75%, tout est allé sur SushiSwap. SushiSwap, c'est aussi un gros DEX. Moi j'adore SushiSwap, il y a eu des débuts chaotiques, il y a eu un exit scam au début, ça a été racheté par FTX, enfin pas racheté, FTX a repris la barre, machin, etc. Bref, c'est un truc de dingue, c'est cross-blockchain et tout. Et Sushi, ils avaient une supply illimitée. Et en fait, un beau jour, comme ça, du jour au lendemain, le mec a annoncé, les mecs du projet, ils ont annoncé, eh ben les gars, c'est fini, maintenant il y a un max comment on appelle ça Max supply. Supply. Ouais. Et ils ont capé, ils ont dit off total, ben, ce sera 235 millions de sushis et pas plus. Mais le cours, il a fait x5 en 2 heures. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, même si PancakeSwap aujourd'hui officiellement, et j'ai un autre exemple gros que je vais vous dire juste après, ouais. Même si officiellement aujourd'hui leur discours c'est il n'y aura jamais, enfin aujourd'hui on ne parle pas de mettre un max supply, c'est ce qu'ils disent, ils ont raison de le dire, puisque pour le moment ben, c'est pas dans leur tête. Mais ça veut pas dire que dans un an ou dans un an et demi, ils vont pas dire bon bah les gars, ça y est, on a fait notre boulot, on a fait ce qu'il y avait à faire, maintenant il y a un max supply. Et là, le cours il fait x10. Il fait x10. Donc je dis pas que ça va arriver, je vous dis pas acheter du cake maintenant parce que ça va faire x10, machin. Non, mais je dis que hypothétiquement, c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc je reprends un autre exemple que du coup connaît très bien Eric, puisqu'il est arrivé juste avant, crypto.com. Ils avaient donc un token, le Crow. Il y avait 100 milliards de tokens, donc tout le monde disait, c'est un Ponzi, de toute façon, ils ont tellement de supply qui s'inondent le marché, blablabla. Un beau jour, c'était en mars 2020, ils ont annoncé, mars, février, je sais pas, quelque chose comme ça, ils ont annoncé, bon bah les gars, on a fini notre mainnet, crypto.org, et ben on va brûler 70% du supply. Et donc tous les gens qui disaient, vous êtes des enculés, vous avez 100 milliards de tokens, c'est tout vous qui avez, vous pouvez inonder le marché, blablabla. Ben en fait, ils ont coupé l'herbe sous le pied à tout le monde. Ils ont dit, les gars, nous, on n'a pas besoin de tokens pour vivre. C'est ça qui est important, c'est on n'a pas besoin de tokens pour vivre. On va burn 70% de la supply. Et donc, ça a été le plus gros burn depuis l'histoire de la crypto. Où en fait, du jour au lendemain, mais sur deux ou trois mois, ils ont brûlé 70 milliards de tokens. Et les 30 milliards restants, bah, la plupart étaient détenus par le marché, par leurs partenaires à qui ils ont filé des ronds, etc. Et ça, c'est un signe important. On n'a pas besoin de nos crocs pour vivre. C'est-à-dire que nos services étaient rentables sans qu'on ait besoin de vous vendre des crocs. Et bah là, c'est un peu pareil du coup. PancakeSwap, en disant, nous, les frais de dev qu'on est censé avoir, on les burn. Bah, c'est pareil, c'est les gars, en gros, nous, pas de problème, on bosse gratos pour vous. Quoi. On est de votre côté, on est là pour la communauté, etc. Donc c'est vraiment des signaux qui sont importants à prendre en compte.
c'est pas des gens qui sont là pour se gaver sur nous, quoi. Voilà. Ouais, là je monte à l'écran, hein. C'était le, ça devait être fin février, mi-février, et là il y a eu ce pic énorme, ça a fait Astronomique. x2 en 3 jours, quoi. Ouais, même plus, parce que quand ça a été annoncé, on était à 0,06. Donc, On devait être, ouais, on ouais, devait être là, ouais. c'était peut-être avant, hein. C'était peut-être le pump avant, hein. Non, c'était Celui celui-là, je d'avant, suis là. sûr. Ah, ok. Ouais. De fou. Ouais. Ouais, ça fait x3, x4. Ouais. Et donc, pour info, crypto.com, ils ont sorti une marketplace NFT, mais franchement, qu'on se le dise, Eric, en toute transparence, elle n'a pas aussi bien marché que le potentiel que PancakeSwap a sur sa plateforme NFT. Non, mais parce qu'ils n'ont pas la même commune. Enfin, la communauté n'est pas aussi engagée. Il n'y a pas vraiment une Mais tout image à de fait, tout marque à fait, aussi tout à forte, fait. je pense, Ouais, que tout sur à fait. PCS. Tout à fait. Mais après, c'est pas tout à fait les mêmes services. Crypto.com, c'est une entreprise en pignon sur rue. C'est une Ouais, mais la plateforme plateforme NFT, concurrente tu de. vois. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais personne n'est dessus. Il n'y a pas grand monde, mais à la limite, tant mieux, parce qu'ils font des drops avec des artistes qui sont pas mal. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, j'ai fait une de mes vidéos sur ma chaîne, sur YouTube. J'ai parlé de la marketplace de NFT, comment mettre ses NFT, c'est là, sur son wallet, les retirer, etc., sur son DeFi wallet, parce que les produits qui sortent sont excellents, quoi. Bon, il n'y a pas encore énormément de monde, mais ils bossent, ils ont pignon sur rue, c'est une boîte sérieuse, quoi. Tout à Bonjour, fait. j'espère que Et vous donc, allez pour bien. info, les amis, Alors, vous grande allez en nouvelle. entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler à la fin du mois, parce que je vais faire que d'en parler. Le 19 octobre, il y a Chronos qui sort. Chronos, c'est la Binance Smart Chain de crypto.com. Ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de dingue. C'est une nouvelle blockchain, exactement comme Solana, comme Binance Smart Chain, comme Ethereum, comme plein d'autres, sauf que c'est crypto.com qui la sort. Et du coup, on va de nouveau vivre probablement une pro saison avec du farming, des play to earn, des NFT, mais surtout du farming, comme on a connu j'ai pas de nom en tête là, mais comme PancakeSwap en fait, il va y avoir Chronos, etc. Et ça va être une opportunité, je pense, à ne pas rater. C'est pour ça que moi, je vous dirai un peu les bons plans et ce que je vais faire dessus. Et donc, c'est pour ça que je disais dans le chat pro. Je ne sais pas si vous suivez le chat pro, etc. Mais ceux qui ont des crocs bloqués, je vous invite et je vous recommande par contre à les débloquer au plus vite. En fonction de où ils sont bloqués, vous avez plus ou moins de délai pour les débloquer. Parce qu'il va falloir avoir vos crocs de dispo pour Chronos. Parce qu'il va y avoir des opportunités dedans. Donc ce serait dommage de rater ça. Là, je vois que crypto.com est 39e sur la liste en termes de capitalisation de marché. C'est pas normal. Quand je suis rentré il y a quasiment un an, Flo m'en avait parlé. C'est grâce à lui que je suis rentré et je ne regrette absolument pas, comme souvent avec Flo. Ils étaient 12e ou 11e ou 10e. Ouais, C'était ils étaient côte à côte avec Binance. ouais, c'était ça. Il y avait bah, la Binance est 14e, bah, je sais pas, Binance devait être 10e et Crow 11e, Ouais, quoi. c'est ça, C'était c'est ça. des projets de cet ordre-là, quoi. Une semaine ou l'autre, c'était l'un était devant, l'autre était derrière, l'un était devant, l'autre était derrière. C'était ça. Donc le Cro crypto.com, c'est pas à négliger pour ceux qui connaissent pas encore. C'est pour ça que j'ai fait 5 vidéos sur ma chaîne là-dessus. C'est parce que c'est vraiment un projet. Et l'avantage, c'est que mes vidéos sont presque evergreen, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles sont toujours d'actualité, quoi. C'est-à-dire que Ouais, c'est c'est ça. toujours intéressant de rentrer dans crypto.com et d'utiliser leurs produits. Parce que le fait d'utiliser leurs produits, on gagne des cryptos avec le cashback, etc. Tout de suite, vous pouvez mettre de l'argent en stablecoin dessus, toucher jusqu'à 14% par an sur du stablecoin, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais. Crypto.com, ils sponsorisent tous les grands prix de Formule 1. Ils sponsorisent une équipe de hockey. Je sais qu'on a des Québécois parmi nous. Les Québécois de Montréal, ils sont sponsorisés par Crypto.com. Une équipe de foot en Italie, je sais plus si c'est le championnat italien de foot ou si c'est juste une équipe qui est sponsorisée par Crypto.com. Ils sont de partout. Ils sont de partout. Ils sponsorisent la MMA là, le sport combat là, MMA. Ils sont sur tous les maillots des mecs. Ils sont de partout. Et du coup, justement, on se dit qu'en fait, ils sont tellement de thunes. Mais comment ils font pour sponsoriser tous ces énormes événements?
Je crois que le MMA, c'est le plus gros partenariat de marketing et de publicité, enfin le plus gros partenariat avec la MMA qui n'ait jamais existé. Ou même dans le sport, je crois. C'est 600 millions de, 600 millions de dollars et c'est un contrat qui dure 10 ans. C'est ça, hein? C'est incroyable. C'est Ouais, c'est ça. du jamais Dans un vu. an, tout le monde a vu le logo crypto.com. Dans un an, tout le monde a vu le logo crypto.com. Aujourd'hui, moi, mes parents, ils savent pas ce que c'est crypto.com. Bah, dans un an, ils seront. Parce qu'ils sont de partout, les mecs. Ils sont de partout. Donc là, il y a Chronos qui arrive. Va très probablement y avoir des opportunités. Parce que les mecs mettent les moyens. Tout simplement. Ah ouais, bah oui. On n'en parle même pas. C'est vrai. Le nom de domaine. Crypto.com, les gars. 11 millions de dollars, ils l'ont payé. Ouais, c'est pas 600 000, c'est 175 millions de dollars sur 10 ans. Ouais, c'est énorme, ouais. Bien sûr. Et donc c'était pas la MMA, c'était l'UFC, je l'ai noté. Ouais, l'UFC c'est énorme. Donc bref, voilà, donc bon, là on vous en parle un peu pour vous dire un peu ce sur quoi on va s'orienter, etc. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, peu importe NFT, crypto.com, ce que vous voulez, on est là. Hein. Déjà merci Eric pour ta présentation. C'était super cool. Bah, je t'en prie, j'espère que ça vous a appris des trucs, que ça vous a C'était intéressé. très bien. Yes, merci beaucoup. Des questions? Pas de questions? Non, chat live. Ah, un chat live. Oui, j'ai pas regardé ce live, hein, j'étais concentré, mais. Mani, moi non plus, j'ai pas vu Mani, on sent la passion. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Merci pour les news, c'est très intéressant. Merci. Avec plaisir. Ouais, tant mieux. Et d'ailleurs, je rebondis sur un truc, Eric, qui parlait de la cohérence, etc., des NFT, et le critère de rareté, qui du coup, on ne peut pas vraiment prendre en compte que le critère de rareté par rapport au site, le site là qui classe par rapport au trait. Il y a aussi une grosse part de les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs sont indiscutables. On a quelqu'un sur le Discord hier qui a vendu le sien, il le trouvait dégueulasse. Je sais plus qui c'est, si c'est Spleen ou. Je sais plus qui c'est, c'était un zombie là, une petite momie zombie et tout. Et moi je le trouvais magnifique. Je le trouvais magnifique. Et en fait, lui, clairement, il le trouvait dégueulasse. Tu vois? Et du coup, malgré tout, bah, c'est pas parce que y a un des NFT par exemple qui va pas vous plaire ou vous pouvez pas comprendre ou vous le trouvez dégueulasse. Il n'y a pas en fait un autre mec qui pour lui, oh, ça va être la révélation, quoi. Tu vois? C'est pour ça que souvent on va quand même pouvoir voir des NFT que bah, personnellement on va trouver bidon et qui va se vendre une fortune, quoi. Parce que ça peut rappeler des souvenirs d'enfance d'un mec, parce que ça peut rappeler. On ne sait pas en fait. C'est pas ça J'espère, qui est Flo, super intéressant, quoi. j'espère que celui-là, il te rappellera jamais le souvenir d'enfance, hein, parce que dans ce cas-là, je plains ton enfance. Hein. Non, non, mais pas celui-là, mais tu vois le délire. Oui, mais ça peut plaire à quelqu'un en vrai, tu vois. J'avoue, une meuf noire en bikini avec un truc de pirate sur l'œil, une crête et une moustache, quoi, c'est 65 BNB, hein. Question. Il n'y a pas une hype aussi un peu sur les numéros des NFT, par exemple le numéro, je sais pas, 111, 222, tu vois, des numéros, ou alors 666, des trucs et tout comme ça, tu Si, il y en a aussi bah, le zéro déjà, c'est le plus visible hein, quand on ouvre la page, je peux vous le montrer, qui n'est rien d'exceptionnel. Hein, j'ai regardé son classement tout à l'heure, le numéro 0, il est 6 millième ou je sais pas quoi. Là, on le voit quand on clique sur Items, donc là, vous avez toute la liste des 10 000, vous en avez 100 par page, vous avez 100 pages. Là, le numéro 0, le gars, il l'a mis à 10 000 BNB, donc 4,2 millions de dollars. Bon. Il n'a rien d'exceptionnel, quoi. Voilà. Donc, effectivement, les numéros 0, le numéro 1, voilà, ils profitent de la visibilité, quoi. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, il y a des numéros symboliques. Après, il faut regarder dans les cultures, hein. Il y a des cultures, le 7, ça porte bonheur, d'autres, ça porte malheur. Il y en a d'autres, je sais pas, c'est le 9 ou des trucs comme ça. Si les Chinois sont fans du 9, si vous avez le 9999, peut-être qu'il est super moche, mais qu'il va valoir une fortune, quoi. J'en sais rien. Mais ouais, il y a un truc comme ça c'est clair. Pour vous dans cette live, Ouais, elle est super intéressante. Sensec, c'est ça? Ouais, je vais me permettre de lui répondre. vas-y. Sensec qui demande qu'est-ce que le max supply et le burn. Donc je vais répondre. Sensec, c'est quand on est dans la crypto, c'est le max supply, c'est le paramètre le plus important
quand tu décides d'investir dans une crypto. Donc je sais pas si tu es sur l'écran d'Eric, il va te montrer. Donc le max supply, c'est le nombre maximum de tokens que peut avoir une crypto. Donc par exemple le Bitcoin, tout le monde sait, tous les gens qui s'intéressent à la crypto, tous les gens qui ont un minimum d'intéressement et pas les mecs qui s'en foutent complètement, tout le monde sait que le Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoin et pas plus, pas un de plus, pas un de moins, ce sera 21 millions. Ça c'est le max supply. Et tu as des projets où chaque projet a son réglage. Donc il y a des forks de Bitcoin qui ont le même réglage, donc 21 millions. 21 millions c'est Bitcoin qui a été comme ça, Bitcoin est le roi, Bitcoin est le premier. Donc il y a plein de projets qui ont copié. Mais il y a aussi des projets comme par exemple Crypto.com, quand ils ont sorti le gros, il y avait 100 milliards de max supply. Et donc cette notion est extrêmement importante parce qu'elle permet de calculer deux nombres, deux chiffres, deux valeurs. Un, la capitalisation du marché, donc c'est le nombre de tokens en circulation fois le prix du token. Et le deuxième qu'on peut te donner, c'est la capitalisation boursière entièrement diluée, donc c'est-à-dire quand l'offre totale des tokens est en circulation. Là, par exemple, sur le Bitcoin, il y a seulement 18,8 millions de tokens sur les 21 millions qui sont en circulation. Donc quand tu fais 18 millions l'offre en circulation fois 54 000, tu obtiens une capitalisation de marché de 1000 milliards. Par contre, si tu fais le même calcul avec l'offre totale du supply, donc le supply complet, à savoir 21 millions, ça te donne du coup le market cap fully diluted, donc complètement dilué, complètement libéré, et là ça te donne du coup 1,148 milliards. Donc là la différence n'est pas énorme parce que la plupart des tokens sont libérés déjà. Il y a 90% là, ouais. Voilà, il y a 90%, donc on est presque à la fin. La dilution qui reste est minime. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que tu as des gens qui du coup se disent « Ah tiens, un token à 10 centimes, ça vaut super le coup, j'achète, si ça monte à 54 000 comme le Bitcoin. » Ouais, mais on s'en fout du prix. C'est pas le prix du token qui compte, parce que le prix tout seul ne veut rien dire. Si ton token, voilà, très bien. Si ton token qui vaut 10 centimes, mais qui en a, regarde le nombre, offre totale à droite là. Il y en a 1 million de milliards. 1 million de milliards. 1 million de milliards. Donc 1 million de milliards, si ça vaut 1 dollar, ton bordel, bah, t'as un cap marché de plusieurs dizaines, centaines de milliards. Tu vois ? Donc quand tu regardes le prix d'un token, il faut obligatoirement regarder le nombre de tokens en circulation, le supply, le current supply, et le nombre maximum de capitalisation. Parce que même si les chiffres sont corrects, il faut regarder combien de pourcents de supply est libéré. Parce que ça te donne une idée de quelle est la dilution qui arrive dans les mois et les années à venir. Si tu rentres sur un token que la capitalisation marché est de 5 milliards alors qu'il n'y a que 10% de libérés, bah, tu te dis qu'en fait c'est pas 10 milliards mais c'est 100 milliards de capitalisation fully diluted. Et ça c'est une catastrophe. Un projet qui vaut 10 milliards alors qu'il n'y a que 10% de la supply out, il faut fuir en fait. Il faut fuir. Et si on regarde le top 50, il y a beaucoup de projets dans ce cas-là et il y a beaucoup de gens qui investissent dedans. Parce qu'ils se disent, ah ouais, c'est trop bien, ouais, c'est super, ouais, je vais devenir riche, blablabla. Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour bouger un bordel comme ça, ben, si tu fais x2, c'est x2, ce sera de la chatte, ce sera inespéré, ce sera long, et en fait, faut rester cohérent dans les chiffres. Voilà. Donc, toujours regarder le prix du token et l'offre en circulation et le max supply. Voilà. Et donc, le burn. Pour finir sur la deuxième partie de la question, le burn, ça consiste à détruire une partie de la supply. Parce que du coup, quand tu réduis, quand tu burn des tokens, tu réduis la supply en circulation, mais également du coup le max supply. Imaginons là, dans le cas de Crypto.com, ils avaient 100 milliards de tokens, donc les 100 milliards étaient pré-mine, donc ça veut dire qu'ils étaient mintés dès le début. Et en fait, tu en avais 80 milliards dans leur propre wallet. En fait, c'est eux qui avaient accès. Le Bitcoin, les 3 millions manquants, personne ne les a. Elles vont arriver petit à petit au fur et à mesure que les mineurs les créent. Crypto.com, c'était pré-miné, tu vois. Et ben en fait, à partir du moment où ils ont dit, eh ben nous, on va brûler 70 milliards, donc ils les ont pris de leur portefeuille, ils les ont envoyés sur l'adresse de burn 0x0, et là, ça a craché les tokens. Les tokens ont disparu. Et du coup, l'offre en circulation a été réduite. Enfin non, elle n'a pas été réduite parce qu'on ne les comptait pas, c'était sur leur propre wallet. Par contre, le max supply, lui, est passé de 100 milliards max supply
à 30 milliards. Voilà. Et du coup, c'est un signal extrêmement positif. Et là, quand tu regardes, offre en circulation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils avaient 30 milliards et il en restait 5 milliards pour les partenaires. Bah là, regarde, voilà, offre max 1,2 milliard de tokens, en circulation 83%. Et donc, c'est dire que vu qu'il manque que 17%, bah, c'est un bon signe. C'est dire qu'on va pas se taper une dilution dans la gueule. Si tu investis dans crypto.com, t'as pas 3 fois plus de tokens qui vont arriver sur le marché et donc te diluer. Non, il y en a plus que 17%. 17%, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Parfaitement, merci beaucoup. Bah, super. Super intéressant. Merci. De rien. Bah ouais, mais c'est dur de d'expliquer ouais. sans rentrer un petit peu dans le détail, ouais. Des futures ventes NFT intéressantes en vue. Noxibé, je sais pas. Pour moi, la seule, c'est pas moi qui pourrais te répondre à ça. C'est plutôt Lio et toute l'équipe là. Je sais plus leur. Frodon, voilà. Chercher le pseudo Frodon, Roland qui suit un peu. Pour moi, la seule vente qui arrive, c'est il y en a deux. C'est Unirex City et c'est Evil Kid qui vont arriver. Evil Kid, ce sera le 23 octobre. Il va d'ailleurs sortir une vidéo, j'en profite pour vous le dire, je ne sais pas s'ils sont là avec nous sur le chat, mais Evil Kid, je vais sortir une vidéo YouTube sur eux en début de semaine prochaine et on va organiser un énorme giveaway dont vous pourrez participer, bien évidemment vous serez invité à participer pour gagner des NFT Evil Kid. Donc c'est un projet français qu'on a décidé de soutenir et de les aider un peu dans leur promotion. Donc voilà, Evil Kid le 23 octobre et Unirex City. Unirex City, c'est un youtubeur français ultra connu qui lance ça avec son frère et ça fait un buzz de dingue quoi. Pour moi, c'est les deux seuls que je suis. Après, s'il y en a d'autres, il y a personne ici qui est sur les NFT, je crois, qui est connecté. Donc va plutôt dans le chat conversation NFT, tu auras plein. Ils font des ventes tous les soirs, les mecs, ils sont à fond. Ah, c'est propre, hein. Ouais, Unirex City, ça c'est. Comment il s'appelle le youtubeur le français, je suis sûr que tu connais son nom. Ça commence par un S, je crois. Squeezie, merci. Ouais, Squeezie, je crois. Ah ouais. Squeezie, ça c'est le frère à Squeezie qui fait. Donc Squeezie, je sais plus combien de millions il a de personnes sur YouTube. Il y a une hype de fou. Donc je crois que celui de gauche, ça doit être son frère là, le Florent, je crois. Florent Char. Et ça va exploser, Squeezie. C'est un des plus gros youtubeurs français. S'il y a un drop à pas rater en termes de potentiel de X, c'est celui-là. Quoi. Sachant qu'après, ils veulent faire un dessin animé avec les c'est quoi ça ? Les dinosaures. Ouais. Et du coup, si jamais vous avez un des dinosaures qui va être dans la série, ben vous allez toucher des royalties sur la série et tout. Donc, c'est pareil, ça. Il y a moyen de chatter. Il y a moyen de chatter on to. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'utilities, hein, l'utilité du token. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un objet qu'on a sur son portefeuille et qu'on regarde une fois de temps en temps en faisant deux clics, mais c'est qu'il va être utilisé quelque part. Et on a, ou alors on a accès à quelque chose, comme c'est le cas par exemple pour le board Ape Yacht Club, etc. etc. Exactement. On pourra prêter sa voix pour le dessin animé ou pas ? Ouais, tout à fait. Mais je crois qu'ils ont dit on veut pas d'Amine. Non mais ils avaient un petit rôle, ils avaient celui-là là je crois. Pas mal moi je trouve, hein. Ça va non ? Ah c'est pas mal. Celui-là il est bien. Il est trop chaud, il est pas assez concentré, il fait des conneries. Donc on en veut pas. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, ouais. Bon, de rire. Il a fait des gros doigts à mine ou pas ? Yeah, il a fait gros doigts. T'as fait gros doigts ce matin. Gros doigts c'est quoi ? Bah tu t'es trompé d'une touche. Ah c'était hier soir. Ah c'était hier soir, j'ai lu ce matin. Ah moi. Je me suis trompé de 1000 balles surtout. Bah bravo, bah c'est ouais, ça gros doigt, t'as fait gros doigt. Ouais. Pas un gros doigt. C'est la exact. Définition du truc. Ouais, c'est la définition du gros geek surtout. Là ils disent qu'ils vont faire des BD là sur des BD avec les NFT, ensuite un dessin animé. Enfin un animé, et puis Play to Earn apparemment il y aurait un jeu ou des mini-jeux. Avec les NFT, donc ouais, c'est un gros projet. Non, mais je sais pas, Frodon, Lio, ils doivent nous tenir au courant de la date du mint, mais je sais pas quand ce sera. Ça marche. Après, c'est sur Solana, donc je connais pas. Bah, il y a des dates, hein, là, septembre, octobre à décembre. Mais c'est la date du mint, quoi.
Non, c'est pas Non, c'est premier, trop hein, tard, c'est mais 1, c'est 2, trop 3, tard. mais ouais, ils doivent être à la bourre. Ouais, Ouais. mais donc septembre, ils sont déjà en retard, les mecs, donc c'est pas fun, quoi. Donc là, il n'y en a pas 10 000, il y en a 11 111. Voilà. Il y a Chacha. Non, comment c'est? Chacana qui nous dit. Alors, Chacana. Tu parles le 14 octobre, tu parles de. Tu parles du Nirex City, Chacana, ou tu parles de ton projet sur Avalanche? C'est quoi cette PMCET là? Il n'y a plus Nirex. Enfin, cette PMCET, ça me fait peur, ça. Ah non, 1 h du matin, ça va. Ok, Unirex, super, 14 octobre, bah c'est gentil, il faut que je le note ça. Alors, il nous parle d'un projet, je vais laisser Manigance te répondre, parce que je sais que c'est sa blockchain de prédilection. Il est encore là, Manigance, oui. Donc, Chacana qui nous dit Hothead Pult, qui est un super projet NFT sur Avalanche. Avalanche. Par contre, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'argent à se faire, c'est plus pour le design. Manigance, je te laisse répondre. Non, 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 tu te trompes. Mathématiques, hein. C'est pas Avalanche. Non. Avalanche. Mort de rire. Quoi, t'aimes pas De Avalanche? max, j'en ai. J'en ai plus, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi. Mort de rire. Je savais que Non. t'allais dire ça. Ouais. Bon, Chacana, on n'est pas trop, trop fan d'Avalanche. On connaît pas trop. On a peut-être tort, hein. On a peut-être Oui, tort. tout à fait, on a peut-être tort. Mais On a pour le peut-être tort. moment, Moi, j'ai regardé tous les mois, j'ai analysé, j'ai essayé de voir ce qui se faisait, j'ai rien trouvé. Donc, on a peut-être tort. Tu parles Je du sais wallet pas. X ou du wallet C? Juste pour Tout. savoir. Bon, en Bon. gros, Chacana, notre avis, c'est que pour le moment, c'est trop compliqué pour le commun du mortel. C'est trop compliqué, c'est pas user-friendly, comme on peut dire, tu vois. Et tant qu'ils n'arrivent pas à faire un truc user-friendly, bah c'est comme tu l'as dit, et du coup, t'es honnête sur le fait, c'est que c'est limité, c'est limité. Parce que faut être docteur bac plus 10 pour comprendre le bordel, quoi. Tu vois, c'est trop compliqué. Pas moi, j'ai essayé de faire de la des fonds de la finance décentralisée sur Pangolin depuis 2 mois. Enfin, Pangolin, c'est non? du C'est pas pur Pangolin hasard. plutôt? Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Enfin, c'est Oh, de l'histoire. rire. Non, je suis passé sur WAX, j'ai tout mis. Ah, ouais. Ouais, c'est Ouais. incroyable.